Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les druides, j'espère que vous avez la forme. C'est le Druid Tech et c'est reparti pour l'épisode 9. Du coup, on en était là. Ouais. Donc là, Shardak il est toujours vénère. On va essayer de récupérer celui-là, mais avant qu'il me pète un caca nerveux. Ça sent pas bon là. Ah si, c'est bon. Donc là, je vais le mettre dedans. Apec. Merde, ah oui, j'avais pas vu ça. Hop, on va essayer de monter avec. Tranquillement, mais sûrement. Ouais, j'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Oh, il fait quoi là? Ah, il veut pas. Non, on va attendre un petit peu. Ah, du coup, j'ai celui-là là-haut à bouger. Voilà, on va se cacher là. On va attendre un petit peu. Allez, là c'est fait, on met là-dedans, on va monter là-haut, donc là on a un carré, et je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai une petite idée mais je suis pas sûr, non, là on va attendre, voilà, non il veut pas, je vais y arriver, jamais 203, j'espère qu'il faut pas bon, ça va me donner d'amener ça là. Ok, comme ça je vais pouvoir le pousser tranquillement, enfin j'espère. Non il veut pas. Ah merde, j'ai pas mis le bon. Voilà, histoire de me sauver. Et tout est synchro, tout est synchro là. Faut pas faire mieux. Et Jean-Michel, il faut pas qu'il se vénère de trop. Comme ça, ça je le prends et je peux l'emmener. Ah ouais, c'est chaud là. Ah non, non, il va pas me voir là. Si. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Du coup, je mets celui-là. Et je mets celui-là. Et je l'envoie. Voilà. Voilà le deuxième terminal. Occupons-nous de le désactiver. Enfin, on a réussi. Ça fait plaisir. Et Shardak qui va se calmer un petit peu. Ça fait vraiment plaisir. Je sens le pouvoir de Shardak diminuer. Plus qu'un dernier. Hop. Ah, la musique qui est derrière, elle était vraiment prenante, elle te mettait dans l'ambiance. Donc je rappelle, hein, pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo là, c'est Aspirina Stage sur Nintendo Switch. Ouais. Ah, okay, je me débrouille comment? Ah, là peut-être. Oh, ça va être long là. Ouais. Je me disais aussi. Ça allait être compliqué. Puis je suis pas dans le bon machin. J'essaie de me lancer. Hop, et voilà. Eh, trop fort la tarzounette. Un petit checkpoint, ça serait pas mal. Ah ouais, mais ça sent l'énigme à la con là. Ça sent l'énigme à la con. Du coup, lui, il va l'éviter là-bas. Mais il me faut le truc là-haut. Merde. Ouais, c'est ça. D'accord. De toute façon,
Il me le faut par là. Je sais ce qu'il faut faire. Il me le faut par là. Donc je vais monter avec, je vais prendre le truc vert là. Je vais être tranquille. Voilà, c'était ça le délire. Ensuite, il va falloir que j'alimente les deux, je suppose. Pour ouvrir la porte qui est là. J'ai une porte là et je suis coincé. Oh merde. J'aurais peut-être dû partir avec. Ok. Ça c'est bon. Ah, j'en ai trois là. Ah ouais, ça change tout. Ça change pas mal. Voilà. Allez, ça c'est fait. On est tranquille. Oh, il me fait vraiment me penser à Metroid Dread. Voilà. Là, je l'emmène là. Je pousse et je pousse. Je pousse très fort. Là, je monte, voilà. Ça laisse passer celle-là. Et je suis tranquille. En fait, c'était un piège. Non, c'est pas un piège. Je mets celle-là là. Lui il est allumé. Et lui je peux l'envoyer. Merde. Je ne peux pas faire mieux. Il va redescendre tout seul. Donc il reste allumé. Je l'envoie là-haut. Et voilà. Comme ça je peux y arriver. Impeccable. Donc voilà pour cet épisode 9 de Aspirina's Tales. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 10. Salut les droïdes, bye! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.